Saint Évangile selon Saint Luc. En ce temps-là, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, et dans un grand cri, elle s'exclama : Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi ? Car dès que ta salutation a retenti à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mes entrailles. Heureuse, toi qui as cru que s'accompliront les choses qui te furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, et désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant a fait pour moi des merveilles, saint est son nom. » Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Et vous asseoir un instant. Cette messe est célébrée pour le repos de l'âme de Madame Marie Fumanal. Cet après-midi, chapelet, consécration à Marie et procession avec la congrégation mariale dans cette église à 17h. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, qu'est-ce que la mort ? La mort est la séparation de l'âme et du corps. À l'heure de la mort, notre âme immortelle se détache de notre corps corruptible pour recevoir
sa rétribution éternelle. En se détachant du corps, l'âme se détache de la terre. Elle se détache du monde, de tous les biens, de ses proches, parents et amis. Ce détachement rend la mort, même la mort des saints, infiniment douloureuse, car il y a là quelque chose de contraire à notre nature. Oui, mes frères, la séparation de l'âme et du corps est contre nature, car l'homme créé par Dieu n'est pas un pur esprit comme les anges. L'homme n'est pas, comme le pensaient certains philosophes de l'Antiquité, une âme condamnée à traîner un corps encombrant, comme on traîne un boulet et dont la mort nous délivrerait enfin. Ou encore, une âme prisonnière d'un corps, dont la mort lui permettrait de s'échapper. Non, l'homme est ce composé, il est lui-même cette union étroite d'un corps et d'une âme. La séparation des deux est alors forcément douloureuse. Et la situation de l'âme séparée du corps après la mort n'est que passagère. Cette âme demeure en attente d'être réunie à son corps glorifié. Par la résurrection de la chair, que nous professerons dans un instant au credo, Dieu rendra définitivement la vie incorruptible à notre corps, en le réunissant à notre âme par la vertu de la résurrection de Jésus. La Vierge Marie n'a pas connu cette situation contre nature, cette situation d'attente de la résurrection. Marie fut élevée corps et âme à la gloire du ciel et exaltée par le Seigneur comme la reine de l'univers, pour être ainsi plus entièrement conforme à son Fils, Seigneur des seigneurs, victorieux du péché et de la mort. L'Assomption de la Vierge Marie que nous célébrons aujourd'hui est donc une participation singulière à la résurrection de son Fils. Mais cette fête est aussi une anticipation, une annonce pour tous les autres hommes, pour chacun de nous. Comme pour Marie, depuis son Assomption, notre corps connaîtra un jour, si nous sommes fidèles à Dieu ici-bas, le bonheur éternel du ciel. Notre corps est précieux, il est bon, car il a été créé par Dieu. Il nous faut à la fois en prendre soin, mais également le soumettre au gouvernement de l'âme. Prendre soin du corps, tout d'abord. La vie et la santé physique sont des biens précieux confiés par Dieu. Nous avons à en prendre soin en tenant compte des nécessités des autres hommes et du bien commun. Soigner ce corps s'il est malade, lui donner chaque jour le repos nécessaire, avoir un rythme de vie équilibré. Voici, mes frères, nos devoirs envers ce don merveilleux de Dieu. C'est là aussi un devoir de la société que d'aider chacun à réunir les conditions d'existence qui permettent de grandir et de vivre. Nourriture et vêtements, habitat, soins de santé, enseignement de base, emploi, assistance sociale, etc.
soumettre le corps au gouvernement de l'âme ensuite. Si la morale appelle au respect de la vie corporelle, elle ne fait pas de celle-ci une valeur absolue. La morale s'insurge contre une conception néo-païenne qui tend à promouvoir le culte du corps, à tout lui sacrifier, à idolâtrer la beauté, la perfection physique ou la réussite sportive. Reconnaître que l'homme est corps et âme ne signifie pas donner la même importance à ces deux réalités. Toutes deux sont bonnes, mais le spirituel doit guider le matériel. Notre âme doit conduire, diriger et soumettre notre corps. Or, et nous le remarquons chaque jour en nous et autour de nous, c'est bien depuis le péché originel l'inverse qui tente de s'imposer. Alors le chrétien doit, avec patience et fermeté, chercher à maîtriser son corps, à lui donner sa juste place, à ne pas lui passer tous ses caprices. Nous le savons bien, à la gourmandise, il nous faut opposer la tempérance dans la boisson et la nourriture, au culte du paraître et de la beauté physique. Il nous faut opposer l'estime de l'être et la recherche de la vertu qui embellit l'âme. À la paresse, il nous faut opposer le courage, la force et la persévérance. À l'impureté, il nous faut opposer la pudeur et la chasteté. Toutes ces vertus, que nous pourrions qualifier de corporelles, comportent un apprentissage, l'apprentissage de la maîtrise de soi, nous invitant à bien user de notre libre arbitre. L'alternative est claire. Où l'homme commande à ses passions et obtient la paix au-dedans de lui, ou bien il se laisse asservir par ses mêmes passions et il devient malheureux. Alors que cette fête de l'Assomption, où nous contemplons le corps glorieux, le corps ressuscité de Marie dans le ciel, soit l'occasion de demander à la Mère de Dieu et notre Mère de nous aider dans le respect et la maîtrise de notre corps. Depuis notre baptême, ce corps est le temple du Saint-Esprit. Il est comme un vase précieux et fragile qu'il nous faut tenir fermement de peur qu'il ne se brise en devenant infidèle à sa vocation. Et cette vocation, c'est d'être dans la gloire du ciel un jour avec Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Sabe,
Thank you.
Salve